Patriots only. Bonjour et bienvenue pour cette présentation des nouvelles Kawasaki. Alors aujourd'hui, ce n'est pas des H2, ce n'est pas des moteurs exubérants, c'est une fiche technique beaucoup plus modeste, mais ce sont surtout les premières motos électriques d'un constructeur réputé. Et oui, il y a eu des tentatives de la part de BMW en scooter. Bon, évidemment, il y a Harley-Davidson avec LiveWire, mais là, ce n'est pas du tout la même chose. C'était des grosses motos et aussi très chères. Là, on est sur une fiche technique un petit peu plus modeste, des équivalents 125, et j'ai à côté de moi la ZE1. La première moto électrique Kawasaki, la première moto électrique japonaise. Sur ce segment 125, on privilégie des caractéristiques comme la légèreté, la maniabilité. Cette Z, elle est conçue pour une utilisation urbaine avec 135 kg, mais pour autant, elle bénéficie de tout le savoir-faire de Kawasaki en matière de parties cycles. Elle a notamment l'ABS, mais ça, je vous en parle juste après en roulage. Alors sur le segment 125 électrique, on a aussi des petits aspects pratiques comme le coffre qui est là à la place du faux réservoir et aussi le mode walk. Le mode walk, ça permet simplement de faire de la marche arrière ou de la marche avant à vitesse réduite. Et pour le premier contact avec cette machine, on est parti faire un petit tour à Paris, évidemment. Donc, je vous emmène avec moi en immersion. Allez, on y va. Le micro de ma caméra n'ayant pas fonctionné pendant quelques minutes, voici un court commentaire pour aborder le confort à bord. Alors que la selle passager oblige toujours à lever la jambe pour s'installer, la selle de la moto est accessible. La position est assez neutre, bien qu'un peu basculée vers l'avant. Les plus grands pourront avoir les jambes un peu repliées, mais la position reste confortable. Le guidon est assez étroit aux premiers abords, mais au final pas gênant et plutôt pratique pour se faufiler dans la circulation. De leur côté, les suspensions testées sur les chaussées dégradées de la capitale restent relativement fermes, un sentiment décuplé par la selle qui manque d'épaisseur. Et puis sur cette selle, on est toujours basculé en avant en permanence, ce qui nous ramène vers le faux réservoir coffre. Bon, à la longue, c'est un petit peu désagréable. Pour un véhicule urbain, sur le confort, on lui mettrait bien une selle confort. En ville, à basse vitesse, c'est plutôt maniable. On garde un très bon contrôle à quelques kilomètres heure avec la poignée de gaz. C'est vraiment bien, et puis le rayon de braquage est tout à fait honorable, et puis surtout le poids permet de la balancer à droite à gauche. On se sent pas du tout encombré de cette moto dans les zones urbaines, puisque c'est bien l'utilisation qui lui est dédiée. La moto est plutôt stable sur l'angle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, là déjà on atteint 80 assez facilement. Bon, le périphérique est limité à 70. Bon, et puis les reprises sont correctes, mais seulement avec le boost, hein. Ça nous emmène à 9 kW, soit 12 chevaux, mais seulement pendant 15 secondes. Alors l'avantage, c'est qu'on voit tout à fait bien comment il se consomme au tableau de bord. Mais par contre, ça reste un tout petit peu limitant. Bon, en réalité, quand on l'active, ça envoie quand même un peu plus. On peut donc faire des dépassements. Pour le périphérique, c'est parfait. Mais bon, on n'ira pas non plus sur voie rapide, parce que ça veut dire qu'on peut atteindre 99 km/h pendant 15 secondes, mais après la moto va tout doucement ralentir jusqu'à 88 km/h en mode road, ce qui est son maximum. Bon, c'est quand même pas idéal pour les voies rapides, ça s'adresse vraiment à une utilisation urbaine. Mais en dehors de ça, le moteur, bon, disons qu'il est modeste, il fait dans le raisonnable, voire le très raisonnable. Alors parfois ça manque un peu de pêche quand même, hein, ça c'est sûr. Sur cette présentation, on a fait un trajet urbain, mais on est quand même beaucoup à avoir activé très souvent le mode boost. Parce que en fait, on ne peut pas vraiment conduire cette moto sans, enfin. Peut-être au bout de quelques mois, on en a un peu marre et on arrive à se satisfaire du mode road. Mais en tout cas, le mode boost, il est quand même bien utile. Que ce soit pour démarrer rapidement un feu, que ce soit pour remonter une file sans s'exposer trop, pour faire un dépassement. Et puis le mode éco, alors là, bien trop inexistant, bien trop mou, pourrait-on dire. Le mode éco sera vraiment pour évoluer dans les petits centres-villes. On va pas pouvoir vraiment rouler avec ce mode éco. Bon, ce qui est plutôt appréciable au niveau des commandos et des commandes, c'est qu'on a un appel de phare à l'index. Par contre, on n'a pas de warning, de bouton warning. Ça, il est inexistant. Bon, l'instrumentation est plutôt lisible. Elle reste compacte et petite, mais c'est ce qu'on lui demande. On lui demande pas forcément des informations exorbitantes. On a un odomètre,
une consommation électrique moyenne et bien sûr l'autonomie restante calculée, ainsi que la consommation d'énergie instantanée, ce qui est plutôt pratique pour se faire une idée un petit peu, et parce que cette moto dispose de la régénération, donc dès qu'on lâche l'accélérateur, on recharge un petit peu la batterie. Les plus férus de technologie pourront tout de même regretter le contacteur à clé, un peu vieillot. Aujourd'hui, on fait beaucoup du démarrage sans clé. À noter qu'il fonctionne bien, il permet de verrouiller la direction, évidemment, à gauche. Au niveau du freinage à l'avant comme à l'arrière, c'est efficace, ça on doit bien le dire. C'est bien dimensionné pour cette moto, on est vraiment en confiance. L'arrière n'est pas extrêmement présent, mais il ralentit bien. Et puis surtout, l'avant, on a quand même une bonne efficacité, un bon mordant. Et puis l'ABS sur ce segment, ce qui est plutôt rare. Non, là franchement, chez Kawa, on a vraiment une moto électrique sérieuse. Alors certes, un peu légère sur certains aspects, notamment l'autonomie et la puissance, mais en somme, ça reste quand même quelque chose de bien cohérent. Pour tous les chiffres bien précis, voici la fiche technique et on se retrouve juste après en conclusion. Cette nouvelle Kawasaki ZE1 se voit offrir un tout nouveau moteur électrique à aimant permanent, refroidi par air, d'une puissance nominale de 5 kW, soit environ 7 chevaux à 2800 tours minute. Ce dernier offre un mode boost qui permet d'atteindre 9 kW, soit 12 chevaux, pendant 15 secondes entre 2600 et 4000 tours minute. Lorsque tout le boost est consommé, une temporisation de 1 minute et 40 secondes se déclenche. Ce moteur offre 40,5 Nm de couple entre 0 et 1600 tours minute, une valeur bien supérieure à une 125 thermique, mais manque d'allonge passé ce régime. Les deux batteries lithium-ion en 50 volts et de 30 ampères-heure offrent chacune une capacité de 1,5 kWh, soit 3 kWh au total. En conséquence, l'autonomie annoncée est de 72 km. Sur la présentation, j'ai roulé 29,1 km et j'ai consommé 47% de batterie. Notons qu'à partir de 20%, la moto se met en mode dégradé avec un voyant tortue affiché au tableau de bord. Les deux batteries sont branchées en parallèle, ce qui permet à la moto d'équilibrer la décharge entre les deux lorsqu'elles n'ont pas le même niveau de charge. Il est possible de rouler avec une seule batterie, mais alors les performances de la moto seront dégradées et le mode e-boost indisponible. En chargeant chaque batterie individuellement, il faut environ 1h30 de 20 à 85% et presque 4h de 0 à 100%. Le chargeur à la prise propriétaire Kawasaki est fourni avec le véhicule et permet de se brancher sur une prise domestique en 220 volts monophasé. Un second chargeur, indispensable pour charger les deux batteries hors de la moto, coûtera autour des 300 euros. La moto dispose du Bluetooth, ce qui permet d'accéder aux informations de charge depuis son téléphone. Le cadre trié en acier offre une garde au sol de 160 mm et la selle se trouve à 785 mm. Les suspensions sont uniquement réglables en précharge à l'arrière et offrent des débattements de 120 mm à l'avant et 133 mm à l'arrière. Le freinage dispose de l'ABS à l'avant comme à l'arrière. Le levier agit sur un étrier double piston à l'avant comme à l'arrière. Me voilà de retour d'essai avec cette ZE1. Alors ce que je peux dire déjà, je voulais vous montrer ça. C'est quand même les batteries, évidemment, c'est important. Il y en a deux et elles sont à l'intérieur de ce petit faux coffre. Donc on enlève le capot et on peut directement enlever chaque batterie qui pèse 11,5 kg. Alors ça fait quand même un petit peu de poids, mais on peut facilement l'emmener chez soi parce que cette moto, elle se recharge de deux manières. D'une part, on a la batterie qu'on peut recharger chez soi seule grâce aux prises qui sont sur le dessous et le chargeur bien évidemment fourni avec la machine. Ou alors, on peut enlever la selle à l'arrière et charger directement la moto sur sa prise secteur. Alors plusieurs façons de recharger pour plusieurs usages, évidemment, ça devrait convenir au plus grand nombre. Toutes ces belles choses ont un prix, et oui, pour ce modèle qui est devant moi en l'état, ce sera aux alentours de 8200 euros. Le prix est encore à confirmer avec Kawasaki, mais c'est bien l'ordre d'idée pour cette Z, pour la Ninja, qui pour moi est un petit peu mieux, disons, designée, dans le sens où les carénages sont un petit peu plus jolis que sur cette Z. On ne voit pas le gros pack batterie, c'est un petit peu plus élégant à mon goût. Celle-là vous coûtera 8800 euros. Avec une disponibilité très bientôt, puisque dès octobre, elles seront en concession. Alors plus de 8000 euros pour un équivalent 125 qui n'est quand même pas à la limite haute légale, c'est peut-être un petit peu cher. Mais bon, effectivement, là on a quand même une marque reconnue, le savoir-faire de Kawasaki. On l'a vu en termes de freinage, d'ABS, de particules. Là c'est quand même très sérieux, et je dirais même plus sérieux que la plupart des concurrents. Le réseau de concessionnaires est solide. 170 en France, on nous l'a rappelé tout à l'heure. Un faible coût d'entretien, effectivement, on n'aura que du consommable. Une petite vidange au niveau de l'huile, puisqu'il y a une petite pinonnerie en sortie de moteur électrique. Mais globalement, ça reste bien moins important que sur un modèle thermique. Et comme toutes les Kawasaki depuis peu, elle est donc garantie 4 ans. Un argument de plus, évidemment. En tout cas, ça me met en confiance
quant au modèle présenté aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on se demande un petit peu quels sont les concurrents. Alors, le concurrent direct est Super Soco avec la TC Max, un équivalent 125 qui a à peu près la même capacité de batterie, environ 3,2 kWh, pour des performances similaires, à peu près 5 kW en puissance nominale. Mais Super Soco n'a pas de puissance de crête, on n'a pas de mode boost chez eux. C'est aussi évidemment moins cher, 5 990 € avant bonus écologique, et un petit peu plus lourd, environ 150 kg contre 135 pour celle-ci. Et puis, ne pas oublier le très récent CE02, un véhicule un peu hybride, un peu d'axe électrique, donc un format beaucoup plus petit, mais qui bénéficie aussi des éléments premium comme l'ABS. Mais cette fois, il faudra débourser 8 750 € pour la version 125. Bon, c'est presque au niveau de la Ninja, mais c'est quand même deux véhicules qui sont complètement lookés différemment, qui n'ont pas du tout le même esprit. À noter que le BMW CE02, lui, a une autonomie annoncée, puisque pour l'instant, il n'a pas du tout été testé, de 90 km et une vitesse maximum de 90 km/h. Donc, on est sur quelque chose qui, a priori, devrait être un petit peu supérieur. Bon, voilà, il faudra voir tout ça en comparatif. En tout cas, c'est une moto aujourd'hui qui est sérieuse. Bon, en revanche, évidemment, la cible visée est assurément des nouveaux arrivants, majoritairement, puisqu'en tant que motard, il serait difficile d'envisager cette Kawasaki comme une vraie 125 thermique. On ne peut pas la prendre le week-end pour aller à Brest ou pour aller à Lille. C'est un petit peu limitant. Mais pour l'efficacité du quotidien, la sécurité du quotidien, on a vraiment quelque chose qui est cohérent. À noter toutefois que ces prix sont à relativiser avec la prime à la conversion qui arrive bientôt à partir de janvier 2024 et bien sûr les bonus écologiques qui peuvent varier un petit peu en fonction des régions. Tout ça pour dire, si vous avez un vieux véhicule, ça peut être pertinent d'envisager cette Kawasaki. Voilà pour ce premier contact avec les Kawasaki électriques. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre sur nos autres essais et puis retrouver un papier un petit peu plus détaillé en lien dans la description. Évidemment, c'est un premier contact, on reprendra sans doute la moto pour aller plus loin dans l'essai, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao !